Bonjour. La semaine dernière, je vous ai parlé d'être un citoyen responsable face au coronavirus. Aujourd'hui, à La Réunion, en France et dans le monde entier, on nous incite à être vaccinés. On est en train de nous communiquer l'importance de la vaccination. Sans la vaccination, il y aura toujours couvre-feu, confinement, selon les autorités. Cette semaine, vous êtes-vous fait vacciner? Vous allez me dire, non, car le vaccin n'est pas encore accessible comme en Israël où presque toute la population est vaccinée. La vraie question est, vous êtes-vous fait vacciner avec le vaccin de Jésus? Ce vaccin est gratuit. C'est un coût inestimable et il a été donné gratuitement pour tout le monde. La solution, selon la Bible, est celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Croyez-vous en le sacrifice de Jésus? Revenons un peu dans l'histoire. Les Israélites étaient esclaves. Dieu a dit à Moïse, avant de sortir de l'Égypte, qu'il fallait qu'ils peignent leur maison avec du sang, qui symbolise aujourd'hui pour nous la vaccination. Tous ceux qui étaient vaccinés pouvaient sortir d'Égypte sans crainte, sans perte. De même, pour nous, aujourd'hui, pour sortir du problème du péché, qu'aucun médecin, qu'aucun vaccin ne peut guérir, il faut que nous croyions en le sacrifice de Jésus sur la croix. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3 au verset 23. La Bible nous dit aussi, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, 23. La Bible nous dit encore, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, au verset 8. Ce vaccin, il est gratuit. Il est pour tout le monde. Il a été payé par le sacrifice de Jésus sur la croix. Dieu s'est fait homme. Il s'est fait serviteur pour sauver l'homme du mal, du virus qui s'appelle péché. Alors, n'hésitez pas, n'attendez pas et vaccinez-vous avec le vaccin de Jésus.